va bien. Aujourd'hui, on va aller voir communication spirit, c'est un message de l'au-delà dans votre vie en ce moment. Pour vous aider, pour vous guider. Probablement à travers une confusion, des choix à faire. Mais vous êtes en train de prendre la sagesse de ces choix-là. Est-ce que c'est un... J'ai l'impression... La vibe que j'ai, c'est qu'on dirait que vous avez l'impression que vous avez passé à côté d'une belle occasion. Puis à place de le prendre d'une manière négative, vous avez pris de la sagesse par rapport à cette situation-là. Clairement, ici, on a des archanges autour de nous, pour ceux qui croient à ça. Sinon, des anges gardiens. On vous guide vraiment vers quelque chose de... Vous avez échappé belle. Vous avez vraiment passé à côté de quelque chose qu'on dirait que vous pensiez que c'était vraiment pour vous, que ça vous aurait amené à quelque chose de plus haut. Puis dans le fond, c'est vraiment... vous avez été protégé. What? Vous avez été protégé de ne pas... On dit, peut-être pas pour tout le monde, mais on dirait que, ouais, on dirait que vous avez passé à côté de quelqu'un qui est décédé. Mais je sais pas trop pour tout le monde, fait que je vais pas y aller là-dedans, mais si c'est ça, c'est comme weird. Mais bref, la personne qui vous accompagne, l'ange gardien qui vous accompagne, c'est toujours quelqu'un qui est à vos côtés quand vous avez une peine de cœur. Pas juste une peine d'amour, une peine de cœur. Passer à côté de quelque chose qui était, puis c'est un guide très présent, très force masculine, très ancré. Quelqu'un qui est là vraiment pour les moments importants. Les moments les plus importants dans votre vie, c'est vraiment ce guide-là qui est avec vous. Puis, c'est quelqu'un qui vous guérit tout le temps. Avec, oh, l'étoile à côté du trois. C'est quelqu'un qui vous guide vers toujours une bonne guérison, un bon apprentissage de qu'est-ce qu'on a, à travers quoi on a passé. Quelqu'un qui vous montre les bons côtés. Je ne sais pas si c'est en rêve, je ne sais pas si c'est en réalisation. Je ne sais pas si c'est des messages à travers de la musique, mais il y a vraiment quelque chose de... C'est quelqu'un qui vous ramène toujours le beau côté l'aspect plus triste de qu'est-ce qu'on vient de vivre. Mais c'est un guide très, très présent dans votre vie. Puis c'est comme si, à quelque part, il dit, pas tout de suite, là, c'est pas tout de suite le truc du message, mais c'est que cette confusion-là était là pour une raison. Il y avait une raison pourquoi il y avait cette confusion-là, puis pourquoi vous pensez tellement que vous étiez dû d'avoir cette personne-là, cet emploi-là, cet appart-là, peu importe. Là. Il fallait l'avoir, la confusion, pour pouvoir se choisir plus soi à partir de ce moment-là. Là, on va aller voir c'est quoi la perception de ce guide-là par rapport à l'expérience que vous avez vécue. Oh yes! Il faut prendre ses... What? Parce que comment il s'est... La carte qui est sortie, c'était l'empereur, puis maintenant, c'est l'impératrice. Fait que c'est vraiment... C'est comme si vous allez graduer. C'est comme si vous allez graduer de ce guide-là. Pour les personnes qui croient à ça, là, c'est vraiment de... C'est comme si la leçon, la sagesse que vous venez d'apprendre par rapport à se choisir, par rapport à passer à travers cette épreuve-là... Ça ne veut pas dire que c'est la dernière épreuve, mais ça veut dire que ce guide-là, avec le travail qu'il a fait avec vous, il gradue. Il va passer à autre chose lui aussi. Puis je dis lui, mais c'est vraiment une énergie très masculine. Donc, l'expérience que vous avez vécue, vous êtes vraiment... J'aime ça. Le roi d'épée à côté de l'impératrice, c'est vraiment de... Non seulement de reprendre son plein pouvoir, mais de reprendre un pouvoir communicationnel.
Communication, là, c'est pas juste parler, c'est aussi le body language, puis c'est aussi l'écriture, puis c'est aussi comment on se parle à nous. L'honnêteté, comment on voit honnêtement notre vie, puis notre implication, puis notre responsabilité. Puis qu'est-ce qu'on en retire? C'est très mental ici. C'est très prendre des décisions mentales et agir. Vous êtes vraiment en train de vous sortir. C'est quoi ça? C'est comme si vous sortez d'une relation... qui pendant un certain temps vous étiez resté dans cette énergie-là. Je sais pas, j'ai pas l'impression que vous étiez dedans, mais vous étiez comme en orbite autour. Puis que là, vous avez appris que c'était pas pour vous. Fait que vous êtes vraiment en train de vous détacher de ça, puis vraiment de passer à l'acte. Mais en marchant, c'est comme la situation là, puis le petit monsieur s'en va par là. C'est vraiment de se détacher, mais c'est de détacher mentalement. C'est weird. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'implication autre que dans le mental. Donc, on va aller voir c'est quoi le message ou le conseil de ce guide très important-là. Clairement, le hiérophant, la tour. Le message, c'est de se sortir, de ne pas avoir peur de recommencer à nouveau par rapport à quelque chose qu'on croyait qui était tellement solide. Quelque chose qui faisait partie de nos propres lois, ou de nos propres manières de penser très, très ancrées, là, tu sais, très limitation. What? Puis avec la tour, on shake la fondation de ça. On va chercher autre chose. Faut pas avoir peur de partir de... Parce que la tour, c'est ça aussi, hein, c'est un peu de repartir à zéro. Reine de coupe. De bâton. What? Quand le message, là, quand vous allez être capable de vous sortir, vous êtes déjà sorti, j'ai l'impression, mais il y a un petit résidu, sinon j'en parlerai pas. Là. Quand vous êtes vraiment capable de partir de cette convention-là, tradition, tout ce qui est ancré dans l'ancestral qui ne sert pas à tout le monde, on va le dire de même. Quand vous allez être capable de vraiment shaker les fondations puis faire comme OK, c'est pas pour moi, bye. Quatre de bâton, c'est non seulement une solidité, mais c'est des projets à long terme. Quelque chose de solide, bâton, c'est du feu passionnel, super le fun, avec la petite drôle de coupe. Quelque chose qu'on aime vraiment, quelque chose qu'on s'offre à nous. Fait que c'est comme si vous êtes capable, quand vous allez être sorti de cette... Je pense que vous êtes déjà sorti, mais il reste un fil ou une connexion. Quand vous allez être vraiment fait comme... On coupe! C'est comme si... vous allez voir plus clairement qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous pouvez demander. Tu sais, c'est laisser la liberté de dire comme, OK, c'est ça. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je veux. C'est pas vraiment qu'est-ce que je pensais que je voulais. Mais j'ai vraiment le feeling, vous avez échappé belle à quelque part. Ouh, c'est peut-être un endroit aussi, mais vous avez échappé belle à quelque chose, quelqu'un. Vous avez vraiment comme, c'est vraiment ça que vous vouliez, mais c'était pas pour vous. On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Oui. On renaît. Oui. C'est une renaissance après avoir pensé que... C'est une renaissance mentale, de penser que c'est ça qu'on voulait, puis renaissance, on repart à zéro, on repart avec l'expérience, mais c'est comme si vous allez faire « Oh, thank God que c'est pas arrivé! » Il y a un feeling comme ça. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'aime toujours ça vous lire, et je vais vous souhaiter un super bel Halloween!